Dépêchez-vous tous! Qu'est-ce que tu attends? Tire-leur dessus! Avec quoi? Ce truc est un vaisseau furtif. Ce qu'on fait là, c'est furtif! Fais quelque chose, bon sang! C'est toujours à moi de tout faire, pas vrai? Ces gamins ont la belle vie, et ils le savent même pas! Ils passent à l'abordage! Cui, va te réfugier sous le pot. Je te rappelle que tu tombes en panne plus facilement que moi. En voilà d'autres! À bâbord! Oh non! Gulli, qu'est-ce que... Gulli! Je te tiens! D'accord, Red. On dirait bien qu'il ne reste plus que moi et... J'aurais dû m'en douter. Tu vas bien? Oui, tu te sens mieux? Tu te reposes depuis plusieurs heures déjà. Je pense que je n'étais pas complètement prête pour cette canonnade. J'ai rêvé? Ou tu as vraiment sauté du vaisseau pour m'attraper? C'est ce que j'ai fait. Comment est-ce qu'on s'en est sorti en un morceau? Nolan. On est tombé à travers un portail qu'il a ouvert. Grâce à lui, on a pu atteindre le sol avec quelques blessures sans gravité. Et lui? Que lui est-il arrivé? Nous ne savons pas. Et Garrison? Et Monica? Garrison est tombé à travers le portail, lui aussi. Monica a disparu. Nolan aussi. Alors dépêchons-nous. Ils sont peut-être blessés. Garrison est déjà parti à leur recherche. Tu es sûr d'avoir assez de force pour marcher? J'ai encore la tête qui tourne. Mais on n'a pas de temps à perdre. Ça va aller. D'abord, permets-moi de continuer à soigner tes blessures. Ensuite, nous irons retrouver Gary. Thank you.
Je suis content que tu ailles bien. Ce que tu as fait pendant la bataille de dirigeable pour nous protéger de cette canonnade. Tu aurais fait la même chose pour moi. Peut-être, mais le résultat n'aurait pas été beau à voir. Tu es une gamine courageuse. Mais ne l'oublie pas, nous ne comprenons pas vraiment la puissance des gantelets de ton père. Tu vas devoir te montrer plus prudente à l'avenir. Je... n'avais pas le choix. Non, j'imagine que non. Je crois qu'il essayait de te remercier. Tu as trouvé des traces de Monica ou Nolan ? Non, rien. Et ce village me semble abandonné depuis bien longtemps. Je vois des lumières à l'horizon, à l'est. C'est peut-être une ville. Nous devrions aller voir de quoi il s'agit. S'ils ont survécu, ils sont sûrement partis dans cette direction. Comment ça, si ? Nolan nous a sauvés. Il peut se sauver, et sauver Monica aussi. Tu as sans doute raison. Allons les trouver. Le forgeron du village ? Oui. Vous êtes qui, vous ? C'est une manière plutôt grossière de saluer des étrangers. Oh, si vous êtes des étrangers, vous savez pas à quel point la vie est dure ici. J'imagine qu'on ne va pas tarder à le découvrir. Oui. Faut avoir la peau épaisse pour survivre sur une île maudite comme celle-ci. Et mieux vaut avoir un marteau lourd aussi. Et à propos d'île maudite... Comment vous vous êtes retrouvés ici, vous autres ? Nous sommes arrivés à bord d'un dirigeable. Alors qu'on approchait de l'île, des pirates nous ont tendu une embuscade. Ça, c'est bien possible. Mais c'est pas vraiment des pirates, comme vous dites. Ce sont des bandits, rien de plus. Une horde de brutes et de grandes gueules. Mais ces derniers temps, ils nous emmerdent sacrément. Ces bandits, pour qui travaillent-ils ? Ben, vu que ce sont des bandits, la plupart du temps pour eux. Mais depuis quelques lunes, ils se comportent pas comme d'habitude. Ils sont moins distraits, mieux organisés.
Ça inquiète un peu ceux qui sont restés ici. Nous avons été séparés de nos amis pendant la bataille. Nous pensons qu'ils les ont peut-être capturés, ou que les bandits savent où ils sont. Nous aimerions discuter un peu avec eux. Ah, discuter. Quelques mauviettes sont venus nous chercher des ennuis hier à l'aube. Je les ai poursuivis. Ils ont filé par la route vers le sud. Vous pouvez toujours aller voir de ce côté-là, si vous pensez retrouver vos amis. Si nous ne les retrouvons pas, les bandits le regretteront. Ne perdez pas espoir. Ces crapules doivent avoir établi un campement quelque part de ce côté-là. Vous interrompez mon travail. Au boulot. Un verre ? Un verre ? Un de ces jours. Soyez forts.